Good morning, Aleida Nessus. Aujourd'hui, le Lunishma David Ben Fortuna Mazal Fritna et Lucienne Bat Raina, Shalom Ben Chviba, Amram Ben Sulika, Marie Myriam Bat Julie Lebet Berda et aussi David Ben Yitzhak. Si vous souhaitez vous aider, une prochaine étude de Mishnah compte 5 minutes éternelles. Nous étudions Masech Nedarim, Perektet, Mishnah Aleph, Rabbi Eliezer Omer, Potrin le Adam, Bichvo David, Ve Imo, Vachachamim Osrin, Amar Rabbi Tzadok, Ad Shepotrin le Bichvo David Ve Imo, Iftechou le Bichvo Damakom. Imken, en nedarim. Modim chachamim, le Rabbi Eliezer, bedavar shebeno le ben aviv veimo, shepotrin lo bichvod aviv veimo. On va ouvrir dans notre chapitre le sujet des atarat nedarim. Comment est-ce qu'on va chez le chacham, on lui dit qu'on a fait un neder et qu'on le regrette? Quelles sont les conditions requises pour qu'il puisse permettre? De manière générale, il faut regretter le neder, et alors le chacham, il va pouvoir prononcer une. Il va prononcer la ténèbre et nous dire, ah ben, puisque c'est comme ça, alors j'atteste que, dans ces circonstances, tu n'étais pas prêt à prononcer le néder, tu peux l'annuler. La question c'est, comment est-ce qu'on va motiver la personne qui a prononcé le néder à annuler le néder? Il y a toutes sortes de choses, c'est-à-dire, toutes sortes de choses, peut-être la vie, elle a changé, finalement, qu'est-ce qui s'appelle un regret? Il faut, en fait, le principe général, est-ce qu'il va falloir regretter un vrai regret que si tu avais su au moment où tu avais prononcé le néder, que tu n'aurais pas prononcé le néder? Mais si c'est des choses qui ont changé, comme ce qu'on va voir par exemple, alors ce sera plus évident, des fois oui, des fois non, on verra, que ce sera plus évident d'annuler, d'accord? Et on commence avec le premier cas. Rabbi Eliezer Omer, première marloquette. Rabbi Eliezer nous dit, « Potrine la dame bichvod aviv veimo. » On ouvre à un homme avec l'honneur, la fierté de son père et de sa mère. « Vachachamim monsrim et chachamim interdisent d'avoir de procéder ainsi. » Soit, quelqu'un dira, ouais, « il a fait un éder, mais il se retrouve en situation que maintenant il est obligé d'annuler le néder. » Ouais, il s'interdit une chose, finalement il craque, il a besoin. Ce n'est pas encore une bonne raison pour annuler, il faut trouver une harata, un regret depuis le début. Alors maintenant, est-ce qu'on pourra lui faire potrine bichvod aviv veimo? Est-ce qu'on pourra ouvrir en lui pardonnant l'honneur de son père et de sa mère? Quelqu'un qui prononce un éder, on a déjà dit. Un bon juif, il ne jure pas, il ne prononce pas un éder. Si vous avez l'usage de le faire, arrêtez de le faire, c'est pas juif. Ça vient de chez les Arabes, ça vient de chez les gens simples. Quelqu'un qui se respecte, un bon juif qui se respecte, il garde sa bouche, il ne prononce pas ni un éder, ni un serment, ni une joie. Il ne dit pas je te jure sur ma vie. Ce n'est pas des phrases de bon juif. Supprimez-les. Le Rambam, il écrit, si vous avez un enfant qui fait ça, il faut le corriger. Jusqu'à qu'il arrête de parler comme ça. C'est pas une manière de parler. C'est très grave ce qu'il y a écrit pour celui qui transgresse ensuite. On n'a pas. En théorie, tu veux parler, tu veux jurer. Même ça, ça laisse à discuter, est-ce que c'est oui ou non. En tout cas, s'il transgresse ensuite, c'est une avéra super, très grave, qui vaut pas le coup. Donc il faut s'habituer à ne pas le faire. On ferme la parenthèse, on revient maintenant. Et alors du coup, je sais pas ça parce que justement, on commence maintenant avec Potrine Bechod Aviv et moi. Est-ce qu'on peut ouvrir, lui proposer, on appelle l'Iftoach Neder, on va ouvrir le Neder, c'est genre, tu as prononcé quelque chose qui t'a enfermé, on va l'ouvrir, on va dire que non, dans ces conditions, tu l'as pas fait. Ça, de là vient l'expression du Petach Nedarim, l'Iftoach Neder. Donc, on ouvre à un homme en lui parlant de l'honneur de son père et de sa mère. On lui dit, tu sais, qu'un bachour comme toi qui prononce un éder, imaginez, c'est un petit jeune de 18 ans, tu te rends compte, toi, tu prononces un éder, si ton père et ta mère, si tu savais que ton père et ta mère, ils ont honte de toi maintenant, que les gens disent, te montrent du doigt en disant que tu prononces des arimes à tout va, ça fait honte à la famille, tu aurais prononcé le néder, est-ce que je peux ouvrir, est-ce que je peux... Et en fait, grâce à ça, en théorie, si la personne veut dire... Ouais, t'as raison, je regrette, j'ai honte, je fais honte à mes parents, je refuse. Si j'avais su, je n'aurais pas prononcé un éder. Là, on a un super pétard pour annuler en théorie. Rabbi Eliezer me dit, ben, tu peux agir de la sorte, tandis que Chachamim interdise. Vous savez pourquoi? Parce que, allez, je vous fais durer le suspense, et comme ça on va continuer sur la prochaine phrase. Amar Rabbi Tzadok, Rabbi Tzadok vient et va rétorquer sur Rabbi Eliezer pour discuter, il va prendre ce qu'il a dit Rabbi Eliezer, il va dire, mais regarde, ce que tu dis de Rabbi Eliezer, que tu peux ouvrir avec l'honneur de son père et de sa mère, regarde dans ce cas-là. Bien, je vais partir encore plus loin, et tu admets que là on va tomber dans une absurdité, on ne doit surtout pas le faire. De ce fait, il ne faut pas ouvrir Bichvod Aviv Emo. C'est-à-dire, il veut dire comme ça, Amar Rabbi Tzadok, il veut dire Rabbi Tzadok, ah tu potrines le Bichvod Aviv Emo, dans ce cas-là, j'ai mieux pour toi, Rabbi Eliezer. Au lieu d'ouvrir, de supprimer le Neder, avec l'honneur de son père et de sa mère, j'ai encore mieux à faire. Iftechou lo Bichvod Amakom, ils n'ont qu'à ouvrir le Neder aussi en parlant du Kvod Amakom, de l'honneur d'Hachem. Que l'honneur d'Hachem, il est bafoué quand on prononce des Nedarim. Imken en Nedarim, si c'est comme ça, il n'y aura plus jamais de Nedarim, on pourra toujours facilement annuler tous les Nedarim. C'est une phrase un petit peu compliquée, peut-être qu'on en parlera après. Pour le moment, j'explique l'idée de Rabbi Tzadok. Regardez, lorsque vous venez demander, vous allez chez le Chacham,
pour qu'il vous ouvre le neder. Ouais. Imaginez, je suis un grand rabbin, un grand tzaddik. Vous venez me voir, me dire, oui, j'ai prononcé un neder, mais je regrette. Bon. Enfin, je regrette. Je me suis trouvé dans une situation où tu veux absolument l'annuler. Et donc, il faut qu'on trouve un neder que si tu avais su cet élément-là depuis le début, tu n'aurais pas prononcé le neder. On ne peut pas mentir. Il faut parler vrai. Et si jamais, maintenant, vous allez vous dire, mais tu te rends compte ce que tu dis, à cause de toi, ton père, il a honte. T'as envie de faire honte à ton père? Et tu vas te dire, ah non, je ne veux pas faire honte à mon père. Mais il y a des fois où tu es tellement en colère contre Réhouven qui t'a fait un sale coup, que réellement, même l'honneur de ton père, ça va, qu'il reste tranquille, mon père, là où il est, parce que pour le moment, celui-là, j'ai envie de le défoncer, je suis fâché contre lui, je lui demande. Ouais, mais seulement tu as honte de le dire clairement que tu t'en fous de l'honneur de ton père. Idem pour l'honneur d'Hachem aussi. Alors là, l'honneur d'Hachem, tout le monde est d'accord. Tu te rends compte que si jamais je te prouvais que combien Hachem il a de la peine quand un juif prononce des nedarim et qu'après il ne va pas respecter sa parole, Hachem il a de la peine, Shrina le pleure. Et le gars, qu'est-ce qu'il va dire? Tu te rends compte, à cause de ça, tu vas aller peut-être au Geinam. Et le gars, il va dire, ah non, si ça, je voulais pas. En réalité, peut-être que des fois ça arrive qu'on est très 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 fâché contre la personne et qu'on était prêt à tout brûler pour qu'on lui mette un couteau dans le dos, d'accord? Ouais, ça existe aussi. Mais quoi? Mais tu vas pas dire ça devant le grand rabbin tzaddik. Que t'es prêt, même l'honneur d'Hachem, ça va quoi, qu'il laisse tranquille, parce que lui, l'ami, faut que tu le brûles. Tu vas pas admettre la volonté. Donc le chacham, lui, il va entendre que toi, tu regrettes. En réalité, tu regrettes pas réellement. Seulement, tu dis que tu regrettes parce que t'as honte de dire le contraire. Dans ce cas-là, c'est pas un vrai regret. Et c'est ce que Rami lui ont dit, que Rami lui ont rétorqué. Ouais, c'est pas écrit ici, mais en tout cas, c'est rapporté dans la Gemara, en tout cas, que Khamim, ils ont retourné, on dit non, pas du tout, c'est pas une bonne raison pour annuler. En tout cas, selon ce principe, maintenant, c'est le principe aussi avec Vodayu et moi. Quoi, tu te rends compte que tu fais honte à ton père? Imaginez, le père, grand sadique, le fils, un petit peu moins, pas beaucoup même. Et du coup, on va dire, mais tu fais honte à ton père. Et maintenant, le fils, il a pas envie de faire honte à son père. Et il a envie de faire ce qu'il a envie de vivre sa vie, de se battre avec tout le monde, d'insulter tout le monde. Mais il a pas envie de faire honte à son père, malgré tout. Mais pas au point de ne pas prononcer l'année d'arrivée, malheureusement. Et du coup, il va aussi nous mentir. C'est pour ça que Rami, ils disent à Rabbi Eliezer qu'ils ne sont pas d'accord, qu'on ne peut pas ouvrir avec Vodavi et moi, parce que la personne, il risque de ne pas vouloir admettre. En réalité, ce n'est pas un vrai regret. Il va dire qu'il regrette, on ne regrette pas. Le Chacham, il va se fonder sur ça pour annuler le Neder, et le Neder, il va pas être annulé. Ok? Et on continue. On me dit, Chachamim le Rabbi Eliezer, mais d'abord, chez Beno, le Benavi et moi. Par contre, Chachamim reconnaît à Rabbi Eliezer que si tu as fait un Neder avec ton père et ta mère, il y a des gens qui sont en dispute avec leurs parents, qui prononcent des nedarim face à eux, tu ne mets plus les pieds chez moi, je ne te mets plus les pieds chez toi, ta 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 ta. Et du coup, maintenant, à cause de ça, son père, il a honte. Maintenant, le fils, il s'est fâché avec son père, il dit, je fais un neder, tu ne mets plus les pieds chez moi. D'accord? Maintenant, dans la rue, les gens disent, voilà, il est en dispute avec son père, son fils, ne le froissez pas, il est vite, il est vexé, il est blasé. Quand on va aller raconter ça au fils, que ton père, il souffre, il a de la peine, il a honte, il est humilié dans la rue, parce que, à la synagogue, parce que tout le monde sait qu'il est en dispute avec toi. Bémet, d'accord, sur le coup, ton père t'en a eu marre, il t'a fait encore un reproche, ce que tu veux, mais tu aurais été prêt à ce que ton père ait subi tellement d'affront dans la rue à cause de toi. Et là, on pourra ouvrir avec l'honneur du père, c'est-à-dire on pourrait avec l'honneur du père et de la mère, hein, pour ce qui touche au nedarim qu'on prononce face au père et la mère. Mais pour ce qui touche à autre chose, on n'ouvre pas avec l'Anderim, parce que comme je me dis, on me dit, on reconnaît Rabbi Eliezer, mais d'abord, chez Beno le Ben Aviv, pour ce qui concerne le rapport entre lui et son père, qu'ils ont prononcé un Neder entre eux, chez Potrin lo Bichvod Aviv et Imo, qu'on pourra effectivement ouvrir le Neder et proposer un regret en évoquant la cause de l'honneur de son père et de sa mère qui sont humiliés par ça. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Veselah.